soit d'autre. J'ai d'autres choses à regarder que j'ai déjà prévues et j'ai vu que je prends pas mal de temps à les regarder d'abord. Hein. Bon bah, ça prend du temps quoi. Honnêtement, là, j'ai la flemme d'aller vous battre là. Mais je vais quand même le faire. On va quand même le faire. Ah bah oui, j'ai plus d'arc, je l'ai cassé. Là ils sont stupides. Hein. On va passer en arrière-plan j'imagine. Comme ça on n'a pas l'archer parce que j'avoue que l'archer il est chiant. En général. C'est chiant un archer en général. Je sais pas si vous avez marqué, okay, mais le mec il s'appelle Litherok. Il aurait pu s'appeler Caillou Caillou, ça aurait eu la même signification. J'avoue. Mais mince, mais maintenant vu que je lisais ton commentaire, bah maintenant j'étais repéré. Parce qu'ils ont. Ils m'ont entendu lire ton commentaire en fait. Genre Link qui s'est arrêté, il a lu à voix haute son commentaire. Vas-y, donne-moi les cornes. Je sais pas à quoi ça pourrait servir, il me semble qu'il y a des trucs de craft à faire avec les cornes. Mais je suis plus sûr. Tu ne peux appeler personne si tout le monde est mort. C'était si beau. Non, c'est faux. Alors, le Linel sur les plateaux du prélude dans le mode expert, je t'avoue que je préfère les Litherok. Je ne peux rien dire. Je peux rien dire parce que je n'ai pas connu cette souffrance pour le coup. Peut-être qu'un jour, peut-être, mais. J'avoue que si déjà j'arrive à terminer ce jeu en série, ça serait cool. En sachant que je ferme un. Je vais pas directement foncer Warganon parce qu'on pourrait, hein, mais. Déjà, je pense que je suis pas assez fort dans le jeu pour. Dans Breath of the Wild pour pouvoir faire ça déjà. Et. Oh! Mais moi je veux prendre la viande. Voilà. Mais il y a un petit truc bleu là. Je sais pas ce que c'est mais c'est bleu. Du coup ça m'attire. Ah bah voilà, une fleur silencieuse. Si c'est bleu ça m'attire. Hein. Tu es un streamer Link. Tu peux appeler personne si tout le monde est mort. Ben. Bah oui, c'est... Bah oui c'est vrai. Dans l'espace personne ne t'entendra hurler. Trop dans le futur, oui. Ben, ah oui, Ben 3094. Ah oui. Je suis pas sûr d'être encore là, hein, à moins d'être un speedrunner. Je speedrun trop la vie en fait, c'est pour ça. Genre les gens qui sont morts en nez, c'est des speedrunners de la vie, quoi, tout simplement. Genre ils ont fait un TAS any%, truc comme ça. Je crois qu'il y a un truc là-bas. Oh, mais il y a des trucs qu'on peut brûler. Moi j'aime bien trop brûler des trucs. Donc j'ai envie d'y aller. Sans mourir la prochaine fois, j'imagine. Parce que ça pourrait être bête de mourir. Ouais. Voilà. Est-ce que je peux avoir des branches? Yes. Est-ce que j'ai de. Oui, j'ai de quoi prendre une branche. Oula, non, non, je sais pas ce que je voulais. Je voulais pas vous voir, moi. Je suis en train de brûler, en fait. Là. Je suis le jour, je suis la nuit, je suis Modo. Je suis en train de brûler. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça qu'on va voir le village Goron. Est-ce que ça prend bien au moins le feu? Parce que là j'avoue. Je suis un galérien. Laisse-moi partir des hautes herbes s'il te plaît. Merci. Et laisse-moi manger mes pommes. Gamin Cro. Alors. Le gamin Crocra qui meurt après 6 semaines dans le. C'est le youtubeur Osef qui tente des speedruns alors qu'ils n'ont aucun talent à ça. Et Centenaire, c'est les gens qui finissent la vie à 100%. Ouais, ouais, ouais. Genre les mort-nés, c'est des tasseurs. Enfin, pas comme ton frère, mais des tasseurs. Non, mais les objets, ils s'envolent. Enfin,
Oh non, mais le feu, il a pas pris. Le feu, il a pas pris. Bon. Autant faire les choses par soi-même, j'ai envie de dire. Hop. Ah non. La bombe, elle est partie un peu loin. Voilà, j'ai un peu reculé. Bougez pas trop. Merci, c'est bon. Qui me jette un caillou? Ah, il a volé aussi loin, il a survécu. Mais du coup, les enfants mort-nés, c'est ta soeur et sinon... Du coup, les vieux qui sont 100 ans, c'est des... speedrunners... un peu lents comme moi, j'imagine, quand je fais un speedrun. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais montré mes speedruns de... speedrun de Luigi's Mansion que j'ai eu l'occasion de faire. Peut-être parce que je les ai fait juste dans mon coin en fait. Passe-moi là. Ah bah non, y a pas. Tu vas prendre l'endurance ou le cœur après avoir fini le plateau? Je sais pas. J'hésite, j'avoue. Je pense que je vais prendre les cœurs. J'avoue, je pense. Je sais pas. J'y réfléchis encore. Au pire, je demanderai. Je demanderai au chat de choisir. J'imagine. Ça va pas être difficile avec deux personnes. Ou trois, je ne sais pas. J'ai pas accès à la liste des gens qui regardent le stream, en fait. Si ça se trouve, il y a trois personnes. Sinon, bah. Voilà. Je crois qu'on... Je sais pas si je pars dans la bonne direction, là, d'ailleurs. Je crois qu'en tout cas je suis dans la bonne direction pour Ah ça c'était cool. Je me souviens premier let's play encore une fois c'était un... J'avais fait une animation d'ailleurs à propos de ça en fait. Mais c'est juste que ben j'avais sauté de là et c'était de là-haut et c'était limite et j'ai failli mourir du coup. Et du coup après j'ai fait je sais plus ce que j'avais fait, mais en tout cas j'avais fait ouais, au moins je suis pas tombé et après ben j'avais fait ça et ça s'était cassé. Mais dit comme ça, c'est vrai qu'on risque pas de comprendre. Mais en voyant l'extrait en fait, c'est drôle. C'est déjà bien. Allez, je vais tenter. C'était limite. C'était très limite. J'aurais pu mourir. Hein. Mais bon, ça va. On est encore en vie. Tout va bien. Dans une dimension alternative, Ben est tombé. Ah bah oui, oui, effectivement. Ben est tombé. Voilà. On tombe pas tous de la même façon, je suppose. Ça fait des speedrun. J'ai fait un speedrun de Mario Odyssey en 3h et 27 minutes, donc respectez-moi. Comment ça, le World Record est à moins d'une heure? J'avoue que j'ai hésité de faire un speedrun de Mario Odyssey. Mais Mario Odyssey, c'est trop. Enfin, y a pas. Y a plein de choses. Moi j'ai fait un speedrun de Céleste à 1h30, en 1h37. Bon bah voilà, j'ai réussi mon coup. Et je suis quand même tombé, exactement comme il y a 3 ans. De la même manière. C'était joli. Mais moi j'ai déjà speedrun Mario 64. Je crois que mon record c'était 45 minutes environ. Mais c'était en 16 étoiles donc Yuna ils le font en 15 minutes donc voilà. Après en général en speedrun faut pas regarder je me dis ouais faut pas regarder le temps des autres, faut regarder son temps parce qu'en vrai c'est plus une course. Je pense que de mon point de vue sur speedrun en fait faut pas faire une course contre les autres en fait. Faut faire une course contre soi-même plus particulièrement. C'est à dire qu'en gros ben tu regardes le temps des autres, tu t'en fiches en vrai. Tu regardes ce que tu dois regarder d'abord, c'est ton temps à toi en fait, je dirais. Après, si vraiment t'arrives à faire des bons temps, t'essayes de battre les autres après. Mais honnêtement, pour ma part, plus intéressant c'est de faire une course contre soi-même pour ma part. Après, je crois qu'à une période, je faisais des speedruns de Rayman Origin, mais en fait, j'étais tellement lent que j'arrivais. Ben en fait, en général, j'arrêtais le stream avant de finir le jeu en fait. Genre j'allais jusqu'à la moitié du jeu à peu près.
Du coup, ben, j'avais pas l'occasion de le finir en speedrun. Maintenant, je pourrais plus le faire parce que je joue plus aussi bien. Rayman Origin. Après, Rayman Origin, je suis plus habitué à jouer avec une Wiimote. Donc, bon, je vais plus ouvrir la porte là parce que là, j'en ai marre. J'y viens pour vous casser la figure. Bonjour. Eh, mais j'ai pas de bouclier. Le PB. Comment ça, le PB? L'Epic Pixel Battle? Oh non, il est mort. C'est pas ce que je voulais dire, mais... Ah non, c'est le PB, bon, du coup, le problème. Mais, enfin, je sais pas. Mais comme dit, je crois que mon record par exemple sur Luigi's Mansion, c'était de le finir en 2 heures, je crois. Il me semble. 2 heures, 3 heures peut-être, je sais plus. Je sais plus quel temps j'avais fait, honnêtement. Peut-être qu'un jour je referai un speedrun sur. Sur Luigi's Mansion en stream peut-être. Oh! Ça c'est cool. Oui, pardon, mais non. Désolé, mais ça vire. Voilà. Bon, on a quoi de faire, on a de quoi faire manger. J'ai speedrun Luigi's Mansion 3, première info, je suis nu en speedrun, deuxième info, j'ai tout fait en une fois sans pause, troisième info, ça a pris 17h12, bordel. Ah non, mais Luigi's Mansion 3, on peut pas nier, il est bon et il est long, très honnêtement. Pourquoi ça marche pas? Ah mais oui, mais je crois qu'il faut que j'allume peut-être le feu. En plus, j'ai récupéré ma flèche. On a du piment. On a du poulet. Piment poulet. Je fais l'hélico avec eux. Avec les chiffres, t'as aucun mérite. Ouais, juste me faire pouvoir faire un coup. Ah, c'est très fallu bébé. C'est beau. Désolé pour ce moment d'égarement. Non mais t'inquiète. Jeu de l'année 2019, Luigi's Mansion 3. Essaye de me faire changer d'avis. Ben, y'a quoi qui est sorti en 2019, honnêtement? J'avoue, parce que là. J'essaie de faire un truc qui. Un peu plus chaud peut-être. Ben, on ressort pas de punch moyenne. J'avoue que c'est vrai qu'il y a des meilleurs punchlines dans ce. Est-ce que je peux faire du piment à la pomme? Oh, bah, du piment à la pomme, quoi. Après, je pense que si ça se trouve, si je mets plus de piment, en fait, ça tient plus et il y a plus de temps. Je vais essayer d'en mettre 3. On va mettre un truc comme ça, quoi. Après, j'ai envie de tenter un truc sans. J'ai envie d'essayer. Ah oui, effectivement. D'accord. On va prendre ça. Ah bah non, c'est max. On cuisine. Avec ça, je devrais pouvoir tenir. Et vu que j'ai fait ça, et ben vous savez quoi, ben ça servira à rien parce que moi, je vais faire ça.